c'est Jonas de l'Artisterie Mécanique. Aujourd'hui, on s'est fait plaisir avec les Biturbo G2-36. Alors du coup, je vais juste vous présenter la mienne pour aujourd'hui. C'est un 2,5 litres Biturbo. Alors on les voit là. C'est tout fait maison. Les collecteurs sont faits maison. Les échappements sont faits maison. C'est des turbos de 3,25 TDS. Alors du coup, on a le régulateur de pression d'essence. C'est un asymétrique du coup, comme ça, pour régler, parce que du coup, on fait pas de cartographie. Ah, des bleus. Ah oui, avec la 206. Du coup, vu qu'on n'a pas de cartographie, moi je suis reparti sur des injecteurs de Renault. Je les ai réalimentés directement et commandés par rapport à l'accélérateur. Du coup, après, ben, elle est toute repeinte par mes soins. Dans nos conneries d'aujourd'hui, on l'a redécouvré pas de ce côté-là, parce que de ce côté-là, elle est bien belle. Elle est bien belle, bien belle. Après, par là, c'est une autre histoire. Ça l'a à peine tordu. C'est le Rocops. Ouais, le Rocops. Le Rocops, bah, il restera toujours solide. C'est la pré-réparation. Ah ouais, on l'a réparé. Là, c'est beau, là, quand même. Là, elle est belle. Ça s'envoyait tout en l'air par là-bas. Non, c'est pas mal. Elle est solide. Regarde. Viens voir. Regarde. Elle est pas belle, ma femme? On a ancré des trucs. Je sais pas, du coup, on voit jamais bien les formes. Bah, si on la touche bien, on verra peut-être un peu mieux les formes. Il est con. Je te rappelle que c'est des cons. Thank you.
en faisant des conneries, des fois, faut les réparer. Bon, on va réparer tout ça vite fait. Comme on fait d'habitude. Oui. Ouais, ça va, on avait fait la tienne, il y avait les deux dangerons. Oui. Là, c'est rien. Là, c'est rien. C'est un petit impact. J'ai emmené un gros marteau. Ok, clé. Ouais, juste un petit trou. Je sais pas par où il tient le feu, mais parce qu'il y a plus de vis qui sont ici dessus. Si, il en reste un là. Ah, deck. Faut détendre la tôle avant. Vas-y, faire ça comme ça. Ah oui, lui. Ça de lui. Mais il est solide ce Rocop, moi je te le dis. Dans tous les sens du terme. Dans un sens, dans l'autre. Pas plié. Ah bah là c'est un peu plié. Hein. Tu pourras le remettre du coup. Quand ça finira la Mad Max, bah, elle sera bien belle aussi. Un biturbo Mad Max. C'est sûr. Quand elle en aura de tous les côtés. Ah, de toute façon, on n'a pas le droit de voler sur la route. Avec. Sinon, tu rachètes l'autre caisse. Là-bas. Il y a une caisse de coupé qui traîne. Tac. Bon, en fait, je m'en fous. Vas-y, on va te montrer ce qu'on va faire la semaine prochaine. On va essayer de garer entre les deux voitures. Vu qu'elles sont en épave, il y a de la place. Hein. Ça fait combien 5 mètres. Ça va, 1, 2, 3. Ouais, ça passe. On va même peut-être falloir les... Ouais, les resserrer un peu. Ben, on va essayer de se garer au frein à main dedans. Peut-être la semaine prochaine, si on a le temps. Et peut-être bien qu'on essaie de se garer sur le toit aussi. Bon ben, sur ce, à samedi prochain.